Ah, les gars, ça y est, on est le vendredi 8 septembre. NBA 2K24 est officiellement disponible, les gars. On va enfin pouvoir y jouer. Fini NBA 2K23, fini les galères, fini le jeu qu'on n'aime pas. Maintenant, on peut le dire, le jeu, il était nul. Maintenant, le jeu, il était éclaté. Mais là, on est sur NBA 2K24, sur PS5, mon premier jeu sur Next Gen. On va voir comment ça va se passer. C'est parti. Regardez, les mecs. Regardez ça. Kobe Bryant. Tout est là. Aïe, 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 les gars. Il se passe que... Jure, il y a une intro. Jure, la vie, t'avais rien, une intro. On va regarder, on va se taire. Là, on va pas faire comme sur 2K16. On va se taire, on va regarder. En vrai de vrai, c'est stylé. Ça fait... Attends, mais ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu d'intro là? Sur 2K20, il y avait une intro ou pas? Je sais plus. Sur 2K20, il n'y avait pas d'intro. 2K19, je sais plus s'il y avait une intro. 2K18, il n'y avait pas. 2K17, il y avait une intro. Et puis 2K17, si je dis pas de bêtises. Ce qui est dommage, bon, l'intro elle était bien, mais il y avait le petit truc là, mise à jour. Ça qui est dommage. Mais en vrai, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. On peut voir, j'ai un grand sourire là. On redécouvre, on est sur un nouveau jeu, enfin. Bon, comment ça se passe? Normalement, c'est la même chose. Les transitions, les crocs comme d'hab, my team. Ok. Attends, je vais juste aller dans les paramètres, on va couper la musique. Les gars, on lance directement le mode ma carrière, on va pas perdre de temps. Et on va tabasser ça, hein. On va voir, on va créer un joueur. Ok, bienvenue dans la tête, numéro 0 de visage. Numéro 0 de visage, sur l'apparence, télécharger, l'appliquer, NB2K app. Le visage redéfini. Chercher une tête numérisée. Ok, vous savez quoi? On va essayer, parce que je vais essayer de vous remettre, si je trouve, je vous remettre à... Qu'est-ce que ça m'avait donné sur le touquet précédent? Voilà, ma tête ressemblait à ça. C'est une catastrophe. Là, on va réessayer, on va voir si ça marche. Hein. On va voir. Ok, j'ai numérisé ma tête. On va voir si ça a marché. Ouais, ça a marché. On va voir ce que ça a donné maintenant. Parce que, bon, touquet, on connaît. Parfois, c'est bizarre. Parfois, ça fait des têtes de panda, frère. On sait pas. On sait pas. Sachant que moi, j'ai des cernes. Déjà, j'ai pas dormi. Enfin, j'ai pas beaucoup dormi. Du coup, je pense que ça a bien scanné mes cernes. Et j'ai des cernes de base. Du coup, on verra. Hein. J'espère que sur PS5, c'est un peu plus réaliste quand même. Ok, 100%. En vrai, c'est moi et c'est pas moi. C'est bizarre. Je me reconnais, hein. Je me reconnais, mais aussi je me reconnais pas. Non, je vois que c'est moi, hein. Mais c'est pas moi. En vrai, vous savez quoi? Ils m'ont donné cette tête, je vais garder cette tête, hein. En vrai, ça m'a l'air pas mal. Juste retravailler quelques trucs. Mais en vrai, ça m'a l'air pas mal. Ok, on est parti avec cette tête. Confirmation, oui. Là, modèle NBA. En fait, je fais... Pour l'instant, je vais partir sur un modèle NBA. Parce qu'il y a des trucs qui m'ont l'air intéressants. Du coup, je vais partir sur un modèle NBA. Et en plus, je sais pas, ça m'a l'air compliqué cette année de... comment ça s'appelle? De créer un joueur. On va partir sur le numéro 15, hein, ça bouge pas. Ok. Continue. En vrai, je pense que je vais partir sur un ailier parce que les ailiers, ils ont l'air pas mal. Hein. Genre, j'avais vu Paul George, Brandon Ingram, Jason Tatum, même Jimmy Butler. Hein. Moi, le profil qui me convient le plus ici, c'est Paul George.
En vrai, droit, c'est Paul Georges. Que je vais modifier un peu. Mais en vrai, c'est Paul Georges. Genre la 85 en pénétration, 83 points. Contrôle du ballon, 85. Défense extérieure, 91. Vitesse, tout ça. En vrai, ça m'a l'air pas mal. Putain, mais je crois que j'ai fait n'importe quoi là sur le build. De toute façon, mon build, je vais le refaire. Mais là, vas-y. Moi, je sais pas faire des builds. Moi, je vais. Attendez que le jeu aime ou demandez pas de build. Attendez que certains youtubeurs fassent des vidéos. Prenez leur build. Moi, je sais pas faire de build. Là, je crois que j'ai fait n'importe quoi là. J'ai que 3 ans Signal of Fame. Hop. Vas-y, c'est quoi? On part sur ça. Et de toute façon, mon build, je vais le changer. Parce que là, je sais pas, il m'a l'air bizarre. Mais vas-y, on part sur ça pour le premier. Je suis similaire à qui avec mon build bizarre? André Godala, Andrew Wiggins, Serge Barrett. Ok. Menace complète triple niveau. Ok, j'aime bien. On va choisir une équipe, écoute. Hein. On va partir sur l'équipe de cœur, on va partir chez les Lakers. Ok. On a officiellement commencé la carrière. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok, le parc, j'aime bien. Ça, c'est le trailer qu'on a vu, non? C'est le trailer qui est sorti. Starting 5, ouais. Problème. Elite. Le parc d'Elite, il a l'air bien. Mais les terrains, ils ont l'air espacés de fou, par contre. Même les restes, c'est stylé. Et les terrains, ils sont plus proches. Et au moins, tu vois, en plus, c'est dans le jour, tu vois. Alors que Elite, j'ai l'impression qu'il fait tout le temps noir et tout, c'est bizarre. En vrai, c'est stylé. My career. Ouais. Il y a une histoire ou pas? Ah, genre, je suis direct dans le parc là, ça y est. Il n'y a pas d'histoire. Où voulez-vous commencer? Commencez votre carrière NBA. Commencez à jouer en ville. Les gars, je suis 60 de général. On va commencer à NBA. on va pas faire l'adolescent. Et genre, dès que je commence. Ah, il n'y a pas d'histoire. Genre, je commence réellement directement. Ok, ok. Et par contre, on dirait pas que je ressemble à Bilal Koulibaly dans le jeu, hein. Déjà, ils m'ont enlevé, ils m'ont mis numéro 4. J'aime pas ça, normalement, je suis numéro 15. Mais je pense que c'est parce que Austin Reeves a numéro 4. Numéro 15, du coup, je peux pas. Mais vas-y, c'est pas grave. Mais est-ce qu'on partirait pas sur la découverte de la ville, en fait? Parce que la découverte de la ville, j'allais la faire dans une vidéo à part, mais là, pourquoi ne pas la faire maintenant? Déjà, on voit qu'on a. Ok. On a un skateboard électrique pour se déplacer plus vite. Où est-ce qu'on voit la map? C'est ça. Wesh, elle est immense la carte! Ok. Je suis où? Je suis au milieu. Eh, je suis perdu, c'est une dinguerie. Ah, voilà, c'est ça. Drivo, Vido Rest, on va aller ici. Ok, ok, ok. C'est la salle de sport? Non, c'est pas la salle de sport. Y'a rien ici, je crois. Ah, c'est Aroni. Ah non, il est tout au fond. C'est quoi ça, place Drivo? On va tester, hein. On va tout voir. Perdu, frère. Vraiment, je suis perdu. Il y a des trucs. Ah, c'est le magasin, non? Ouais, c'est le magasin. Ok, ok, ok. Ah, elle est bonne. J'ai une affiliation. Ok, ouais, c'est tous les magasins. Bon. Ah, on dirait qu'il y a le parc des élites là-bas. On va y aller.
On va aller chez Elite, chez les Elite, pardon, on va voir à quoi ça ressemble. Allez voir Chris Money, Shakedown après. Ah mais en fait non, c'est pas que la nuit. Ok, par contre les terrains ils sont hyper... ils sont hyper espacés, c'est une dinguerie. Ok. En vrai ça m'a l'air pas mal. Mais les terrains ils sont beaucoup espacés en fait. Ouais, c'est un peu beaucoup espacés. Les terrains ils sont pas mal, ils volent. Voilà, c'est tout. C'est les seules choses que je peux dire là maintenant. Mais ok, ouais, c'est pas mal. Je m'attendais à mieux quand même. Dans le trailer, ça avait l'air plus stylé. Peut-être de nuit, c'est mieux. Mais ouais, quand même. On va aller voir l'application de Rise. Pour voir qu'est-ce que ça donne, simplement. Ok. Déjà, là, je préfère, j'ai l'impression. Les terrains de 2-2 ils sont là. Tu vois déjà, c'est souterrain. Ah, c'est là le terrain sous l'eau? Non, c'est là-bas. C'est quoi alors souterrain? Jure, il y a un terrain souterrain carrément. C'est stylé, wesh. En vrai, c'est stylé. Déjà, je préfère. J'ai l'impression que je vais largement préférer jouer ici. Il y a déjà des mascottes. J'ai l'impression que c'est plus agréable de jouer ici. Et que ça va jouer beaucoup plus vite. Déjà, il y a du monde, hein, ça se voit. Le terrain, le parc, il est rempli. Ouais, en vrai, c'est pas mal, hein. En vrai, de vrai, c'est pas mal. Non, par contre, c'est moi ou le jeu, il rame? On est d'accord, le jeu, il est pas fluide, là. Le jeu, il rame. Je sais pas s'il y a trop de monde ou quoi, mais le jeu, il rame, il est pas bien. Bon les gars, on est sur la fin de la vidéo. Comme vous le voyez, je suis perdu. Là, là gros, je suis perdu dans la ville, dans le truc. Mais bon, ça en vrai, c'est normal. C'est le temps d'acclimatation, tout ça. Première fois dans la ville, je comprends rien. Mais bon, on va s'habituer quand on va jouer, tout simplement. Quoi. Plus on joue, plus on va s'habituer. Mais bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve... soit dimanche, si j'ai vraiment l'énergie pour le faire. Si j'ai l'énergie pour le faire, on se retrouve dimanche. Sinon, on se retrouve dimanche d'après, la semaine prochaine. Ciao.